Nouvelle campagne. Je l'avais fait en difficile. J'avais mis un certain temps, dans les 9 heures, je crois. On va tester en normal. Alors, est-ce que je saurais terminer le jeu dans les 5 heures, 5-6 heures? On va voir ça. Long temps de chargement. Sur ce morceau. Hey Irish, tu sais ce qu'on trouve comme poisson à bas coût? J'en ai pas la moindre idée, sergent. Hey Wrecker, Wrecker, tu m'entends? C'est pas fini, reste avec moi. Bien joué, Wrecker. J'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi bien. Jusqu'à la fin. Allume, Pike. Merde. Le siège ne bouge pas. Vous êtes coincé, sergent. Irish, la pire chose à faire dans cette situation, c'est de paniquer. C'est exactement le genre de phrase qui me fait paniquer. Pas qu'à quoi bouger ce siège. On s'enfonce toujours, merde. On va vous tirer de là, Don. C'est compris? Comment? Porte coincée. Merde. C'était pas censé finir comme ça. Wrecker, prends mon arme. C'est quoi ces conneries, Don? C'est quoi ces conneries? Pour survivre, un loup est prêt à se bouffer une pinte. Tire! Négatif, fais pas ça! Vite, Wrecker, tire dans la vitre! C'est un ordre! Putain, fais pas ça, Wrecker! Foutez le camp! Barrez-vous! Barrez-vous! C'est n'importe quoi, mec! Fais pas ça! Tire dans la vitre! Wrecker, j'ai failli te tirer dessus. Tu les as semés? Oh! Du calme, Pac. T'étais passé où? Quand le transfert a mal tourné, je suis venu ici. Les Russes, hein? Des pros, un coup ils sont là, un coup ils sont plus là. Détends-toi, t'as le renseignement? Ouais, ouais, je l'ai. Bien joué. Merde, il fait déjà jour. Faut aller au point d'extraction. On sait où est Irish? Il est pas avec vous? Je lève le silence radio. Tombstone 3 de Tombstone Leader. Votre position. Tombstone Leader en approche par le nord. Ça chauffe par ici. Je vais m'oublier. Faut me couvrir. Bien reçu, Irish. On te coupe. Riker, prends ton arme. Allez. Vous me couvrez. Va à la fenêtre. Il faut couvrir Irish. Munition dans cette caisse. Prends ce que tu peux et couvre la fenêtre. Voilà d'autres, vous les voyez? Je tire, attention! Vous l'avez eu, Wrecker! Merde! Deux de plus à gauche, butez-les!
dessus. C'est bon. Aidez-moi. Tout va bien, Irish. Je crois que cette planque est pas si sûre. Tombstone, en avant. Fortress, ici Tombstone, leader. On a le paquet, mais ça s'agite ici. On rejoint le point d'extraction. Bien sûr, Tombstone. Hélico en route. Rejoignez la position. Terminé. En dessous, dans l'atrium. Ils sont pas repérés. On va les buter ensemble. Marquez-les et donnez le signal. Ça commence. Je suis un bourrin. Dans l'atrium, ils sont pas repérés. On va les buter ensemble. Marquez-les et donnez le signal. Tout le monde va bien? Là voilà notre sortie. Oui, Riker, cherchez des explosifs dans cette caisse. D'accord, fais le changer. Allez, il faut l'ouvrir, Riker. Hawkins, on progresse. Faites monter vos gars sur le toit, ne faites pas attendre. Tu balais la zone, Riker? Voilà le bâtiment. C'est plutôt une moitié de bâtiment. Allez, Riker, les jumelles sont très utiles. Ouais, les deux cheminées, pile en face. Ouais, c'est ça, c'est le point d'extraction. Très bien, Hawkins avait repéré des mouvements ennemis, tu les vois? Sur le chemin, hein? Les jumelles repèrent aussi le ravitaillement et les armes.
Je serai bientôt prête. Le bourrin, le bourrin, le bourrin.
les laissez pas approcher. Avancez dans l'usine! Restez concentrés! Avancez vers l'usine! Ce vieux bâtiment pourri me file la trouille. Ouais, ça me rappelle chez moi. Lisa, on est tous en vie. Les angles, les mecs. C'est ça le meilleur moyen de monter? C'est le plus rapide. On n'a pas le temps de chercher autre chose. Attendez de voir la vue de la terrasse. Je m'attends à être soufflé. La ferme. Ouvrez l'œil. Tombstone Leader, spot sur le radar. Aérien hostile. Ah merde, on prie. Allez, allez, à terre. Merde, oh. Chier. Allez, tranquillez, tranquillez, fais quelque chose. J'ai perdu le contrôle.
pas, mec. Pas que des traces de Hawkins et des autres. Y'a pas de survivants. Fais sortir Dunn de l'épave. Je peux pas, il est coincé. Essaie. Je suis en train de sortir Rager. Ma jambe. Sa jambe, c'est un vrai bouillie. Ça va aller, Dunn. Ça va aller, on va vous tirer de là. Mac, l'essence. Ouais, je sais. Stop. Rager, couvre-moi. Dehors, sors de là. Allez, dégage. Faut aider, s'il vous plaît. Non, il faut que tu te casses d'ici. Faut aider. Foiré de civil. Rager, ton couteau. Pourquoi, sergent? Faut couper la jambe. Faire quoi? Rager, viens ici. Allô, pris au piège, ce bouffe une patte pour survivre. Allez, l'os est en miettes, y'a que la chair et l'uniforme qui me retiennent. Allez, coupe-la. Faut qu'on y aille. Il est mort? Il est pas mort, juste évanoui. C'est toi l'infirmier, bordel, tu devrais savoir ça, Pac. Pour pas la vue du sang. Il se pointe, à terre. Allez. L'hélico va revenir pour pas rester là. Eh, ils sont cool les Azeris, hein. Allez, vite. Ça va aller, Dunn. Ça va aller, on va vous tirer de là. Allez, hein. C'est lui le patron, évidemment que ça va aller. En route, Rager, prends le volant. Fortress, ici Tombstone. Notre plan d'extraction est foutu. Il faut qu'on trouve autre chose. Vous me recevez? Tombstone, Fortress vous suit. Extraction secondaire en route. Suivez la route 3 km vers l'ouest. Ouais, tu fais chier, allez, roule. Reçu, Fortress. En route, où est l'hélico? Je sais pas, je regarde. Merde, ma jambe. Ma femme va te tuer. Dan, respirez lentement. Ça va aller. On va vous ramener. Ça va aller. Si le renseignement qu'on a eu sur l'amiral Chang et les Russes sont vrais, aucun de nous ne rentrera chez moi. Je suis le seul à entendre de la musique, là. Accrochez-vous. Plus vite, Rager. Et c'est parti. Rager, on peut s'en débarrasser? Ça m'étonnerait. Où est-ce qu'il est passé, vous le voyez? Je sais pas où il est passé. Là, je le vois. Il arrive. Plus vite. Oh, c'était trop près. Il a perdu trop de sang. Vite, vite, bordel. Mac, qu'est-ce qui se passe? Micheline. Faut crier ses enfers!
Tombstone a récupéré les renseignements. Et ? En cas de coup d'état militaire chinois, les Russes soutiendraient l'amiral Chang. Ça confirme le rapport de notre contact en Chine. Alors, le sergent Dunn est mort pour une information qu'on avait déjà. Il y a des émeutes dans les rues de Shanghai, capitaine, et les Russes sont impliqués. Il fallait qu'on en soit sûr. Boucler Suez était suffisamment délicat comme ça. Au moindre faux pas, c'est la guerre. Vous avez vos ordres, capitaine. Oui, monsieur. Faire route vers la côte est de la Chine. Putain de loi martiale pour un milliard d'habitants. Ils sont furieux à cause de l'assassinat de Jinjie. Qui c'était ? Il convoitait la présidence, progressiste. Il poussait le gouvernement à la transparence, à la justice et à la liberté. Chang les a convaincus que nous étions responsables de la mort de Monsieur Xi. Si vous échouez dans cette mission, il aura l'excuse parfaite pour concentrer toute cette colère, toute cette haine sur nous tous. Ce sera la guerre. Votre tâche, c'est d'extraire des VIP sains et saufs des tours de Ziyu. L'extraction sera coordonnée par un agent de terrain, Laszlo Wkovic. N'utilisez vos armes qu'en cas d'absolue nécessité. Riker, Dunn estimait que c'était à vous de diriger l'équipe au cas où il lui arriverait quelque chose. Sa perte est une véritable tragédie. Ne faites pas regretter d'honorer sa dernière volonté. Faites ce qu'il faut. Tâchez d'être discret. On n'a pas le droit à l'erreur. J'espère qu'il arrivera rien à la caisse. Du calme, petit frère. Ça va aller. Et pour la femme de Dunn ? Je me suis pas fait à l'idée, Pac. Franchement, je sais pas quoi lui dire. Il est pas mort dans son lit et je me vois pas lui mentir. Ah, Erich ! Come on, Cindy, finger ! Désolé, miss. Putain, mais c'est le bordel complet ici. Les flics sont sur les dents. On fait que traverser ce merdier pour ramasser le gros lot, c'est ça ? On passe entre les gouttes, hein, Riker ? En tout cas, je prendrais bien un café, là. Hé, infanterie motorisée dans la place. Bien reçu. J'ai l'impression que ces enfoirés voient que moi. Je joue la naturelle. Naturelle ? Non, mais c'est une plaisanterie. Tu trouves que j'ai l'air d'un chinois, Pac ? Quelqu'un a le bâtiment en visuel ? On ne bougera que si on trouve le moyen de sortir d'ici. Ok, prends à gauche, maintenant. En avant ! Je crois qu'on est bon. J'ai le bâtiment en visuel. On doit aller à quel étage et combien de VIP d'après Garrison ? 3 avec Kovic ? Kovic est 2 du coup. Putain ! Hé, hey, Doudou, on se calme ! Faut prendre à gauche, le bâtiment est à gauche. Merde ! On est coincé. Il faut abandonner le véhicule, on va continuer à pied. Reçu. Allez, Riker ! Merde, la caisse ! Voir ça ? Messieurs, j'en prie. Comment on va faire ? Se pointer à pied, c'est une chose. Repartir avec des VIP, c'en est une autre. Calme-toi, Pac. On va les amener au Valkyrie. Fais-moi confiance. Là-haut ! On aura une bonne vue de ce qu'il y a dedans. Cet hélico, c'est pas bon signe. Merde. Qu'est-ce que... Le brief parlait pas de forces spéciales chinoises. On devrait aller là-bas.
renseignement a raté ça, il a pu rater d'autres trucs. Faut prévenir le Valkyrie. Décresse, Bluescom 4, message, à vous. Situation comme suit. Concentration de troupes chinoises autour du point visé. Attendez, on dirait des forces spéciales. Effectif inconnu pour l'instant, à vous. Reçu, agissez selon situation. Terminé. Reçu 5 sur 5. Le hall a l'air sécurisé. Voilà l'ascenseur. Hacker, appelle l'ascenseur. Très bien. Voyons ce qu'on a. On se prépare! C'est quoi, des flingues de cocktail? Direction l'hôtel. Je le vois pas, les VIP sont au bar du dernier étage, ils profitent de la vue. Fallait que ce putain de bar soit sur le toit. Il faut que t'appelles la femme de Dunn. Ouais, je sais. Ça me mange. Ferme cette putain de porte! Et voilà! Merde! À couvert, les gars, à couvert! Mauvaise étage, mauvaise étage! Fais chier! Les mecs, je crois qu'on vient d'envahir la Chine. On peut pas repartir par là. Est-ce qu'on a d'autres options? Non. On ouvre l'œil, c'est tout. Allons chercher ces putains de VIP. Irish, Riker. Regardez ça. Qu'est-ce qui se prépare? Vous avez touché! Dépassement! Quelqu'un court!
cousu? Ouais, je crois. Allez, dans la loge VIP. Merde. À toi de jouer, Patch. Ça prendra une seconde. Pas bon. Il va vers le toit. Riker, surveillez la fenêtre et tenez-vous prêts. T'as ramené les clés morts, Riker? Mettez-vous en position. Ennemi en approche, sur le balcon. Allez, Riker, on
peut y aller. Du gâteau. Vous êtes en retard. Il faut du temps pour venir à bout de mecs venus pour fouiller l'immeuble. C'est pour ça que j'ai changé de chambre. Alors dans ce cas, Kovic, pourquoi vous avez besoin de nous? Traverser le couloir est plus simple que traverser la rue. Venez! Allez, Ricker. Où est le fourgon? Le fourgon? On peut oublier les rues, Kovic. Elle grouille de militaires chinois. Oh putain, quelle merde! C'est qui ces VIP? Des gens très importants, une femme haut placée et son mari. On les fait sortir en un seul morceau. C'est tout ce que vous devez savoir. Je suis Anna. Voici mon mari. Merci de votre aide. Pardon, monsieur. Excusez-moi, madame. Vous parlez ma langue? Vous allez bien? Vous pouvez marcher? Mon mari est blessé. Il lui faut du repos. Négatif, on n'a pas le temps. J'ai aperçu des hélicos sur le toit. Il faut qu'on y aille. Alors on monte. Quoi? Si vous le prenez, je peux le piloter. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. À moins que le sergent ait une meilleure idée. On pique des hélicos maintenant! Vous avez fini. Mon mari a besoin d'être soigné. Toute cette violence... Où ça nous mène, sergent? Ce n'est pas ce qu'on... Merci d'être venu, sergent. Je vous en suis reconnaissante. Allez, maintenant! Vite! Vite! Go, go! Laissez-vous, allez! En route, Rick. Ça marche pas, on est baisé. On n'a plus le choix maintenant. Dégagez la voie. Je vais couvrir nos arrières. Monsieur, madame, attendez ici. D'accord, on grimpe. Attention, ça... Attention à ta couverture. N'arrive pas à aligner ces enfoirés. Grenade, un couvert. Sergent, à télé. Sécurisé. Allez, tout le monde à bord, vite! Contre le vent, on bouge! Allez, allez! Derrière toi, Iris! Go, go, go! Allez, allez, allez! Allez. Ouais, bah. Prochain, là! Ça tombe! Attends, allez! Il va bien! Il va bien! Allez, allez, ça va marcher! Pas beaucoup d'endroits où cacher! C'était pas une bonne idée, Kobe!
Allez, allez, allez! Quoi, pas? Quoi, ça va? Attends! Allez! Il va bien! Ugh!
Houston 4. Fortress, reçu. Les VIP arrivent à bord d'un hélico pris à l'ennemi. L'un d'eux a besoin de soins immédiats. Il est toujours dans la tour, on cherche un autre moyen de filer. À vous. Tombstone, vous devez rejoindre le fleuve. On prépare un plan d'exfiltration. Recevez. Bien reçu. Terminé. Allez, fichons le camp d'ici. Pensons plutôt à regagner le navire. Pas claustro, ces trucs? Non, c'est pas les ascenseurs qui me gênent. C'est l'altitude. J'ai horreur de ça. Putain, c'est une blague! Quoi? J'adore ce morceau. Un putain de morceau. Jusqu'ici, ça va. Je passe devant. En rentre, cœur. Est-ce que c'est ce que je crois? Voilà, c'est de ça que je parle. Fortress, Tombstone 4, répétez. Je répète, cette position ne peut pas être tenue. Exfiltration impossible. Vous avez 30 minutes pour rejoindre le bateau. Fortress terminé. Hélico au-dessus de la place. Le plus rapide, c'est à l'est.
personne contrôle plus rien. Ça, je dirais pas le contraire. Merci. Entrez, s'il vous plaît. Aidez-nous à rejoindre le fleuve. Travaillez juste si tu es. On va aller au taille sur quoi, tranquillement. Américain ? Ok, on a bien besoin de votre aide. Là-dedans ! On ouvre l'œil, Rika. Du calme, Pac. C'est pas des vrais méchants. Comment ça va ? Nihoma ? Okay. Attention, écartez-vous de la fenêtre, c'est dangereux. N'approchez pas de la fenêtre. On essaie d'aller au fleuve, mais les hommes de Chang ont des chars. Personne n'entre ni ne sort de la ville. On va vers le fleuve. Y a des roquettes anti-chars dans le coin ? En voilà une. Un autre riposte. Mais Chang est trop puissant. On est piégés. On a besoin d'aide. Restez là, protégez l'enfant. Allez, Wrecker, en route. Vous voyez le char, Wrecker ? On a besoin d'explosifs pour percer son blindage. On en est où, niveau temps ? On est en retard, je pense. On détruit ça et on se trouve une barcasse pour quitter la ville. Allons jeter un coup d'œil à ça. Et ce bâtiment ? Vous voyez le char, Wrecker ? On a besoin d'explosifs pour percer son blindage. On en est où, niveau temps ? On est en retard, je pense. On détruit ça et on se trouve une barcasse pour quitter la ville. Le blindé en patrouille nous bloque la route. Le barrier est plus fragile. Je vois la
port est juste là. Allez, on doit prendre un bateau. Il y a des civils ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils racontent? Je crois qu'ils vont nous aider. Pac, ça va? Ouais, bien. Fortress, ici Tombstone 4. On est à bord d'un bateau civil, à vous. Ici Fortress, bien reçu. Arrivée estimée, à vous. Cette coque de noix n'a rien d'un bateau de course, à vous. Ici Fortress, on vous tire dessus, Tombstone. Quelle est votre position? Je répète, ici Fortress, on vous tire dessus, Tombstone. J'ai toute ma tête. Suivez-nous! Suivez-nous, on va tous vous mettre à l'abri! Dépêchez-vous! Fortress, ici Tombstone, répondez, à vous! Fortress, ici Tombstone, répondez! Mais il reste pas mal de réfugiés à soigner. On sait combien il y en a à bord? À première vue, entre 350 et 400. Vous aurez bientôt le nombre exact. Ce sera tout? Oui, capitaine. Et ma demande d'effectifs supplémentaires? Désolé, Doc. Vous allez devoir faire avec ce que vous avez. Vous aurez de l'aide quand on rejoindra le Titan. Compris. Et capitaine, je sais que ça râle pas mal à propos de la présence de ces réfugiés, mais moi, je trouve que vous avez bien fait. Merci, lieutenant. Une occasion de pioncer. C'est bon ici. Navigation, liaison satellite. Radar, sonar, refroidissement. Éclairage, point intermédiaire écarté. Temps clair et jumelles. Il y a un siècle, ça aurait été parfait. C'est pas assez. Tous ceux qui parlent comprennent le mandat. Faites-vous connaître. Ok. L'attaque IEM nous a laissé un joli tas de surprises. Sergent ? Bon, la journée est loin d'être finie. Riker, faudrait tenir à Erich en laisse. Vous avez ramené toute la ville à bord, et on est devenu un refuge pour des gens qui auraient dû rester dehors. Des ennemis. Mais on devrait bientôt refiler le problème aux Titans. Alors tout ira bien pour vous. À tous, le médecin du bord signale une pénurie de sang. De nombreux réfugiés sont blessés et ont besoin de soins. Inscrivez-vous à l'infirmerie pour donner votre sang. L'infirmerie est là. Son mari parlait il y a 5 minutes.
Mais son trauma crânien est peut-être plus grave qu'on pensait. Vous ne pouvez pas entrer, madame. Vous plaisantez ? Mon mari est là-dedans. Je suis désolé. Je dois entrer. Qui est-ce qui commande ici ? Vous voulez bien reculer, madame ? Elle est avec nous. Laissez-la passer. En cas d'hémorragie intracrânienne. C'est impossible. L'IEM a grillé le plus gros du matériel. Écoutez, le plan, c'est de rejoindre l'USS Titan et d'utiliser leur équipement. Madame, croyez-moi, je vais prendre soin de votre mari. Je reste avec lui. J'ai une formation médicale. Bien. Toute aide est la bienvenue. Inconscient, c'est pas bon. Irish vous cherchait. Il est sur le pont des véhicules. Vous vous êtes réconciliés, au moins ? Quand on rejoindra le Titan. Le centre de contrôle des appareils réquisitionne tous les appareils électroniques personnels en état. Veuillez déposer tous vos appareils au centre de contrôle des appareils. Merci. Irish est un mec bien. Mais il nous met toujours dans ce genre de situation. Je devrais peut-être intervenir. C'est pas facile. Un équipier doit savoir rester à sa place et ne pas dépasser les limites. C'est pas bon pour la cohésion de l'unité. C'est à sa conscience, pas vrai ? Ce que j'en sais. En réalité, c'était à vous de décider, pas à Irish. Hey, Irish ! Pack ! Ça va, petit ? Tiens, c'est pour toi. On compte 396 survivants, dont des femmes et des enfants. Être fier, non ? Ouais. Eh. Allez, quoi ? Tu vas pas croire à ces conneries de ces eux, les méchants ? C'est pas ça le problème. C'est Wrecker, le chef. C'est lui qui prend les décisions. Franchement, Pac, c'est quoi le plus important ? Sauver des vies ou bien suivre le protocole ? Tu sais quoi ? On va monter. Je verrai avec Garrison s'il y a un problème. Non, tu verras rien. Le chef ira le voir. Dans des conditions idéales, ce navire aurait du mal à héberger 400 réfugiés. Si ça fait chier Garrison, tant pis. Nous, on a fait ce qu'il fallait. Faudra bosser ta présentation, Irish. J'ai besoin que quelqu'un monte à bord avant qu'il sombre à jamais. Il y a pas mal de variables en jeu. On ne sait pas qui les a attaqués ni s'ils vont revenir. On ne peut pas se permettre de surprises. Thompson ne vous laissera pas tomber. Sergent Wrecker, l'agent Kovitch prend les rênes. Vous suivrez ses ordres comme si c'était les miens. Mais si on me parle... Le capitaine, le sergent Wrecker... Fin de la discussion, Irish. Obéissez au chef d'escouade. Je ferai de la place pour les survivants.
Le Valkyrie sera en position défensive à 1 kilomètre à l'est du Titan. Agent Kovitch, rassemblez vos hommes. On cherche des renseignements et des survivants. Équipez-vous. Armes et matériel de plongée. Un semi-rigide vous attend. Allez! Putain de mission de merde. Allez, Irish. Allez, Maritz. Le temps joue contre nous. Sergent Riker, prenez les commandes. Personne ne sait exactement ce qui se passe, Maritz. Et vous pouvez nous aider à y voir plus clair. Ne foirez pas. Compris, agent. L'agent compte sur nous à bord du Valkyrie. C'est largement plus grand que le Valkyrie, petit. Regardez-le. J'ai failli être affecté. On a une idée du temps qui reste avant qu'il coule? Assez. Qu'est-ce qu'on cherche exactement, agent? Titan est pas vraiment une coque de noix. Asseyez-vous et profitez de la balade, Marie. Je vais triper une fois sur place. Vous nous amenez vers l'inconnu. Je devrais profiter de quoi? Erich, allez. Vous êtes là pour faire un travail. Et c'est moi qui donne les ordres, ok? À vos ordres. Répétez, Marine. Profite de la balade, comme vous avez dit. Le Titan repose sur un récif au bord d'une fosse de 3000 mètres. Il peut glisser d'un moment à l'autre. Était hors de portée de l'UN de Shanghai. Il avait enregistré plusieurs heures de compte-rendu. Des données qu'on n'a pas vues. C'est pour ça qu'on est là. C'est mieux de se manier. Allez, on garde le rythme. Vous avez une stratégie si ce truc se renverse? On va finir par glisser du récif. Quand ça arrivera, faudrait mieux qu'on soit loin, avec l'enregistreur. C'est pas ce que j'appelle une stratégie. Attention, vous marchez. On est sur le pont C et on va vers le centre de contrôle des avaries. Cherchez l'écoutille G46. Elle permet de traverser de bout en bout. Ok, c'est où? Par là. Avancez. On peut bien tirer d'un enregistreur de bord.
stocke pas mal de choses. Routes maritimes, journaux de transpondeurs et radars, comme entrantes et sortantes, les instructions du commandement... Voilà les coutilles. Riker l'a trouvé. Je peux aider? Faut l'ouvrir! Faut qu'on descende là-dedans? Tu sais nager, Marine? Oui. On plonge jusqu'au pont intermédiaire, ça va nous amener au-dessus de l'eau. En route. T'as entendu l'autre enfoiré? Saute. Survivants? C'est peut-être mécanique. Faut qu'on y aille. Tout le monde vit. Tout le monde est paré. C'est bon. Ils sont tout prêts. Je viens juste de là, devant. Allez. Salle des machines. Regardez. Ils sont derrière cette porte. Entrez là-dedans, vite! Par ici! En bas! Le niveau monte! Vous donnez un coup de main, il n'y a aucune autre issue. Vous en faites pas, on va vous tirer de là. Dégagez, Marie. Merde, c'est soudé. Tirez dessus, mon loué. Ils sont déjà morts. On bouge. Tourne là-dessus. On les laisse pas là. Hey, même avec une torche, il faudrait 9 minutes pour découper ça. À la vitesse où l'eau monte, tout ce qu'on sortirait, c'est des cadavres. On les laisse un point, c'est tout. C'est un ordre. Vous avez entendu Garrison? Va chier! Tenez bon, les gars! Non, Iris, non! Donne-moi ça! Putain, Iris, calme-toi! Désolé. On y va! Allez, allez! L'enfoiré, ça, il le paiera. Il va morfler. Regarde, faut qu'on y aille. Il nous a enfermés! Je ne sais pas où il est ici. Qui a fait ça? Ils nous ont enfermés et nous ont laissés ici. Je ne sais pas pourquoi. Avant d'aborder le navire, ça n'a pas de sens. Je veux pas mourir. Finissons-en.
trouver, Riker ? Faut foutre le camp de Stade Ferraille. C'est pas trop tôt. On retourne au Valkyrie. J'entends des voix. Génial, Riker. On les élimine. Très bien, allons-y. C'est quoi la sortie la plus rapide? Par là, tout droit. Dégagez, bande de salopes! Ouais, vous vous foutiez de camp, enfoiré! À couvert! Bougez, bougez! Cassez-vous vite!
vont pas bien? C'est quoi? Oh putain! Ils mettent les pieds chez nous! Ce sera leur dernière. Allez, faut rejoindre Garrison avant qu'il soit trop tard! Butez ces enflures! Ils occupent le navire. Ils veulent tous nous buter. Où est Garrison? Pas de nouvelles de la passerelle depuis 10 minutes. Et les gens qui étaient avec Garrison? Le couple de Chinois? Il y a des Chinois partout à bord. Merde! Faut rejoindre la passerelle, vite! À la passerelle! Passez devant, Riker! Attention, les gars. On sait pas qui sont les alliés et qui sont les ennemis. Thank you.
Baker. Anna, désennuie, la porte, vite. Merde, allez, back! Putain, elle sait se battre. Où est-ce qu'il est? Garrison l'a fait déplacer. Quoi? Vous l'avez laissé? Il se fout de savoir qui je suis. J'étais censée faire quoi? Me battre? J'ai assuré la ligne de défense. Appelez la passerelle, demandez à Garrison où il est. Il vous écoutera, vous... Bordel, Anna! On n'a plus de liaison avec la passerelle. Faut foutre le camp d'ici. Tombstone, on y va! Je vous suis! T'es une vraie pochette surprise, hein, Anna? Yeah!
ennemi abattu. Eh ouais. Ça vous apprendra à attaquer le Valkyrie. Attention, attaque aérienne. Oh non. Des transports de troupes. Abattez-les avant qu'ils se déploient. On va s'assurer que ces connards n'atteignent pas la base. Engagement de la cible. Vite. Je les tire, Regan. C'était moi une. Tuez-les avant qu'ils puissent se déployer. Élimination confirmée. Il est à terre. Recharge en cours. Attendez. Ok, je tire. Explosez l'hélico. Tout devrait être là-dedans. Prenez-le. Garrison a les codes. Chang. Chang va vous traquer. Vous serez au cœur de ce merdier. Il doit survivre. Marines. Marines, dites à Garrison qu'il doit lui faire confiance. Merci. Riker. Riker. Vous passez devant. Go! Go! En route. C'est bon, en route. Je passe devant, chef d'escouade. C'est quoi les ordres? Cherchez Garrison sur la passerelle. Je vois que t'as repris le commandement. Oh merde! Capitaine Garrison, passerelle nettoyée. Il va bien? Il est stable. Où est l'agent Kovic? Il a pas survécu. Putain de merde. Grâce à Tombstone, le Valkyrie flotte toujours. Mais il est endommagé. On est loin de chez nous, les gars. En eau hostile. Et je crois que le pire reste à venir. Alors je suis content de vous avoir à bord. Sergent Riker, je veux un débriefing dans 15 minutes. Tombstone est à vous. Hourra! Les informations que vous avez rapportées du Titan confirment que le commandement central du Pacifique est HS, balayé par les missiles chinois. Chang contrôle toute la région maintenant. Étant donné la gravité de la situation, capitaine, il vaut mieux redoubler de prudence. L'intégrer à l'escouade, ça va pas plaire à Heinrich. Heinrich n'a pas la vue d'ensemble. Ce sont des circonstances exceptionnelles. Elle ira avec vous. Compris. Heinrich est un type bien, je garderai un œil sur lui. J'apprécie, Pak. Il vous reste du chemin à faire, mais vous avez l'étoffe d'un chef. Merci, capitaine. On devrait savoir autre chose à propos de l'attaque de l'aérodrome? Oui. Allez chercher Riker. Pak, Riker, il va falloir m'aider sur ce coup. On ne peut pas gaspiller nos derniers missiles. Attaquez l'aérodrome. Surveillez le sol. Prévenez-nous quand leurs avions seront sur le tarmac. On va allumer ces enfoirés et continuer vers l'ouest par le détroit. Bien reçu, capitaine. Trop facile. Pak. Riker, vous risquez d'y passer. Comme beaucoup de vos amis. Mais on y est. C'est notre seule chance.
L'escouade qui rejoindra l'aérodrome et lancera sa fusée aura 30 secondes pour filer avant l'arrivée de nos missiles. Bien reçu. Ne devenez pas des statistiques de tir à mi. Anna. En haut, très clairement. Capitaine Irish. Oh, 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 tu crois aller où comme ça? Je suis volontaire. T'es volontaire? Qui a approuvé? Le capitaine Garrison. Vois ça avec lui. Vous étiez tous au courant? Vous parlez mandarin, sergent. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, jeune fille? Je suis là pour aider. Vous allez me couvrir, hein? Vous voulez que je vous dise? C'est une putain d'erreur. Elle va nous faire courir des risques. De Singapour. Frappez vite, avec détermination. Cette tempête va nous ramener chez nous.